Célia. Bonjour. Je vous présente Charlotte. Charlotte que vous connaissez puisqu'ensemble on a créé pas mal de jeux. Message de ton corps, message de ton cœur, message de ton âme. Les messages de l'univers aussi. Oui. On aime bien travailler ensemble. Oui. Et on revient vers vous pour vous faire une présentation sur le nouveau coffret donc, qui sort officiellement aujourd'hui. Donc on est super contente. Et Charlotte est venue me retrouver dans mon atelier pour qu'on vous parle de tout ça. Ouais, après un mois et demi de retard, puisqu'il devait sortir le 3 octobre. Ouais, ouais, il a pris son temps. Il était sur son bateau. Il a mis du temps à venir. Ouais, mais maintenant, là, on est super contente vraiment de vous présenter ce projet sur lequel on a travaillé toute cette année. Oui, trop bien. Mais qui découle de... Du livre que j'ai écrit et qui est sorti en 2022, donc sur l'énergétique, qui s'appelle « Les pouvoirs extraordinaires de l'énergie ». Et en fait, il y a quelques temps, Célia m'a dit « Ouhou, nous n'avons plus de projet ensemble !» Parce qu'on aime bien travailler toutes les deux. C'est ça. Et donc du coup, ouais, c'était l'année dernière. Ouais, c'est ça. C'est l'an dernier. Puisqu'on a travaillé l'an dernier dessus. C'est ça, l'année dernière, Célia m'a dit « Oh, ce serait bien de faire l'oracle de ton livre !» Et moi, je suis « Oh, je sais pas, est-ce que c'est vraiment utile, tout ça ?» Et elle m'a motivée, et donc on a sorti un nouveau coffret qui est complet, qui est chouette, qui est beau, qui est lumineux. Du coup, comment tu... parce que c'est Charlotte qui a fait les textes et j'ai fait les illustrations. Comment t'as articulé le livret par rapport au livre ? Ben, en fait, j'ai repris les grands thèmes de l'énergétique. Et je me suis posé la question, ok, si je devais avoir un oracle pendant mes soins énergétiques ou pendant que quelqu'un, un thérapeute alternatif ou non, fait un soin ou fait un accompagnement thérapeutique, comment est-ce que je verrais que ça pourrait être utile? Et donc on a regroupé 43 thèmes énergétiques classiques et importants, enfin les 43 thèmes principaux, dans un seul jeu avec 10 cartes d'aide. Donc voilà, donc du coup, je suis partie de ce postulat-là, de quels sont les thèmes qui seraient intéressants d'être explorés pendant un tirage de cartes, que ce soit durant une séance thérapeutique ou non. Ouais, parce que moi, je ne suis pas du tout professionnelle de l'énergétique. Je le fais à côté, mais pour moi ou pour ma famille. Donc pas comme toi, où c'est vraiment ta profession. Et en fait, je l'ai pas mal utilisé aussi pour... déterminer par exemple quelles étaient mes faiblesses en ce moment sur mon corps, ce dont j'avais besoin ou ce dont avait besoin mon environnement. Voilà, c'est ça. Et donc pas forcément que en soins et tout, oui, ça m'a vachement orientée, tu vois, pour rééquilibrer certains trucs que moi toute seule j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. C'est vrai, en fait, ouais, c'est vrai qu'au début je me disais bon bah ça va être un objet pour les thérapeutes, et puis petit à petit je me suis dit mais ça peut aussi être un objet pour les personnes qui veulent savoir ce qui dysfonctionne ou ce qui est en suractivité. Parce qu'en fait, souvent, en fait, dans l'énergétique, on parle de ce qui est bloqué, ce qui est fermé, ce qui ne marche pas. Mais il y a aussi la suractivité qui peut être problématique. Et donc, je m'étais dit, voilà, explorer tous ces thèmes-là et qui permettraient de savoir ce qui se joue à un niveau énergétique. Et même, par exemple, dans un tirage global. Mettons, on va explorer le domaine financier. Avec la joyeuseté financière en ce moment. C'est clair. Explorons le domaine financier. Donc, qu'est-ce qui va nous arriver cette année ou qu'est-ce qui se joue pour nous dans les 6 prochains mois? Ben, c'est intéressant de venir recouvrir le tirage avec ce jeu-là parce que du coup, on va voir énergétiquement ce qui se joue sur quelle maison. Ouais. Donc, par exemple, quand on a passé présent futur, ben, qu'est-ce qui s'est joué énergétiquement dans le passé? Qu'est-ce qui s'est joué dans le présent? Qu'est-ce qui s'est joué dans le futur? Et donc, du coup, ça peut nous donner des clés sur quoi travailler en énergétique pour aussi débloquer la situation financière, donc qui n'a rien à voir. Ouais, ouais, parce qu'en fait, la particularité de ce jeu, quand même, parce que ceux qui connaissent déjà nos jeux, souvent, on a des petits livrets ou alors des messages qui sont écrits directement sur les cartes. Là, tu nous as quand même fait un petit bébé, quand même. Ouais, d'habitude, on n'a pas de livret. On a juste les cartes avec les messages. Et souvent, d'ailleurs, on reçoit des... Enfin, je sais pas toi, moi, je reçois des messages. Oui, mais il n'y a pas de livret, je l'utilise comment? Et bien là, tout est dedans. Non, mais là... Oui, là, voilà. Si on regarde... si on fait la différence entre le... Le bêta.
Voilà. Presque l'épaisseur du livre. C'est juste pas la même taille, mais... Ce que tu as mis, en fait, sur chaque carte, donc tu as fait une présentation de la carte, voilà. Tu l'as mis à chaque fois en équilibre, en déséquilibre, et surtout, tu as fait un soin aussi voilà. Pour chaque carte. En gros, sur donc, chaque carte, et ça, pour le coup, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le livre, c'est-à-dire que le livre et l'oracle sont vraiment complémentaires. Ce qui est dans le livret de l'oracle n'est pas dans le livre et ce qui est dans le livre n'est pas dans l'oracle. Donc c'est vraiment, ça marche ensemble. Et donc oui, par exemple, pour une carte, mettons, on a la carte du corps physique, dans le livret, ça va expliquer qu'est-ce qu'est le corps physique, comment est-ce qu'il fonctionne lorsque tout est en équilibre énergétique et comment est-ce qu'il fonctionne lorsque c'est en déséquilibre. Mais le déséquilibre, comme je disais, il y a deux facettes. Il y a la facette du blocage et de la fermeture, et il y a la facette de la suractivité. Tu sais que c'est la première fois que je vois ça dans un jeu, par contre. Généralement, on te dit c'est en blocage, ça va, ou c'est en blocage, mais jamais on te dit c'est trop. Ben oui, mais en énergétique, il y a des fois c'est trop. Ouais. Et des fois, par exemple, quand on a un chakra de la gorge qui est suractif, du coup, on va avoir tendance à pas écouter les autres, à parler trop, à toujours vouloir parler plus fort que les autres, au-dessus des autres, et vraiment s'imposer verbalement. Ouais. Et en fait, ça, c'est de la suractivité. Et c'est dommage, en fait, de pas l'avoir, parce que c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que le chakra est déséquilibré. Parce qu'il y a des gens qui partent du principe que si c'est en suractivité, c'est que c'est bon, c'est ouvert, donc ça va. Mais non, en fait, parce que c'est quand même déséquilibré, c'est trop. Et quand on dit c'est trop bien... Moi, je me souviens, mon grand-père, il y a des années, qui me disait « si c'est trop bien, ça veut dire que c'est pas bien. » Parce que c'est trop, il y en a trop. Ouais. Et trouver d'ailleurs, le juste équilibre. C'est ça. Et quand on dit à l'univers « c'est trop », du coup, lui, il se dit « ok, il y en a trop, donc on arrête. Ouais. » C'est pour ça que c'est intéressant de faire attention à ce qu'on dit. On parle du chakra de la gorge, ça vient faire « je digresse ». Non, mais franchement, c'est super intéressant parce qu'on entend peu ce dialogue-là. Oui. Tu vois, on a toujours l'impression que dès qu'on fait quelque chose qui entraîne beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup de machin, c'est génial et tout ça. Mais on ne se rend pas compte que si ça dure trop longtemps aussi, c'est de l'épuisement qui va venir derrière. C'est ça. Et ça, c'est toujours bien de se dire que l'équilibre, c'est pas d'être forcément hyper bien. Non, c'est d'être bien. C'est d'être bien. Et de faire perdurer, tu vois. C'est ça, et de savoir surfer avec les vagues. Et c'est vrai qu'on le voit par exemple dans un couple, quand c'est passionnel au début, c'est bien, mais si la passion dure trop longtemps, du coup la passion ça déchire aussi. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'arriver à trouver le juste milieu. Et donc dans le livret, on a mis en déséquilibre, on l'a divisé en deux, et après il y a les soins qui sont recommandés. Ouais. C'est-à-dire que en fonction de ce que l'on vit, il y a un soin qui est un ou plusieurs soins qui sont recommandés. Je vais le montrer parce que j'aime bien, on a mis les couleurs, on a associé dans le livret les couleurs des cartes. Voilà. Donc je trouve ça vachement sympa. Et on a donc la description qui est ici, et derrière, on a cette fameuse en équilibre, en déséquilibre avec le plus ou le moins, et ici, les petits soins qui sont recommandés. Je dis à chaque fois les petits soins, c'est pas des petits soins, c'est... Je dis petit parce que tout ce qui est petit est mignon. Ça, c'est bon. Mais c'est les petits soins, les gros soins, les grands soins, les hyper soins. Les soins tout court. Voilà, et du coup, les soins, soit vous pouvez le faire à l'intuitif, c'est-à-dire faire, admet qu'il faut faire un rééquilibrage, je teste un rééquilibrage comme ça, je verrai ce que c'est. Ouais. Soit, si vous ne savez pas faire de rééquilibrage, il y a tout qui est expliqué justement pour faire les soins qui sont recommandés dans le livret, dans le livre. Ouais. Et c'est de ça qui sont complets, enfin c'est comme ça que le livre et l'oracle sont complémentaires. Mais par contre, si vous avez vos techniques, vos manières d'aborder les soins, faites-le. Que tu nous guidais vachement bien dans le livret. Tu vois, qu'on avait justement... Alors, je ne suis pas novice non plus, donc c'est vrai que peut-être je n'ai pas le regard d'un novice dessus, mais moi, j'ai eu aucun problème pour adapter les soins ou pour les utiliser, des fois les faire à ma propre sauce aussi, mais presque jamais. Franchement, je trouvais que... Puis je trouve ça agréable aussi de se faire guider par quelqu'un d'autre, puis par un professionnel, tu vois. Ça permet aussi d'ouvrir un petit peu son panel de ce qu'on connaît déjà. C'est ça. Et j'ai jamais eu trop besoin, tu vois, de dériver ou de faire autre chose, tu vois. Il y a peut-être 2-3 fois, ou parce que moi j'avais l'habitude de faire d'une certaine manière, mais c'est chouette en fait. Hein. Franchement,
Enfin, voilà, je Et je répète, ouais, c'est vraiment un outil que j'avais créé vraiment pour l'énergétique et tout ça. Et en fait, à un moment donné, je suis partie dans un événement avec des amis entrepreneurs. On est partis tout un week-end et je l'avais pris parce que je venais de le recevoir et je voulais le montrer tout ça. Et ma copine, elle me dit, vas-y, on le teste, on se fait un tirage. Ben ouais. Et en fait, elle appelle ça le tirage de l'évolution. Et elle commence à le tirer sur le domaine amoureux. Et moi, à l'intérieur de moi, j'ai envie de lui dire, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu l'utilises pas comme il faut et tout ça. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de comme il faut. C'est chacun va l'utiliser comme il veut. Et il était tellement juste. Et je me suis dit, waouh! Et en fait, de le voir en action, c'est-à-dire que les jeux, en fait, on a une idée. Et puis quand ils sont dans la matière, dans la réalité, on se dit, ok, en fait, ça fonctionne. Ou... Ben là, pour le coup, moi, je me suis dit, waouh, il fonctionne encore mieux, quoi. Ouais. J'ai eu un message comme ça sur Instagram d'une dame qui m'envoyait son tirage et qui me disait, est-ce que je fais bien? Et en fait, je me suis dit, mais en fait, évidemment qu'elle fait bien, tu vois, est-ce qu'elle avait bien interprété et tout? Et elle avait interprété en fonction de sa situation, de son ressenti. Peut-être que moi, je les aurais interprétés différemment, mais parce que moi, je ne suis pas dans la même situation qu'elle aussi. Voilà. Et en fait, c'est ça, je lui ai dit, mais votre interprétation, elle est parfaite, puisque c'est celle qui vous a parlé, qui vous a plu, qui vous a sauté aux yeux par rapport à votre situation. C'est pas facile, des fois, quand on crée un jeu, de prendre du recul dessus et de se dire, non, mais c'est OK aussi d'autres façons d'utiliser que moi, j'aimerais bien l'utiliser. Mais c'est ça. Je suis à peu près sûre que je ne l'ai pas utilisé de la façon dont toi, tu l'aurais utilisé. Hein. Non, mais c'est clair, mais en fait, du coup, enfin... Sur le moment, je me suis dit « Ah non, mais c'est pas comme ça et tout ça, mais c'est vraiment que pour l'énergétique !» Et en fait, bah, elle m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il était juste, même pour un tirage ordinaire, et c'est ce dont on parlait au début, c'est-à-dire que bah, on peut l'utiliser pour tout, oui. Et ça permet de savoir ce qui se passe à un niveau énergétique, ou même de comprendre ce qui se passe dans le corps physique, émotionnel et spirituel, ce qui se passe au niveau mental. Et pourquoi ça bloque, en fait. Donc, c'est vraiment... Enfin, ouais, il est chouette. Ouais. C'est un... J'allais dire, c'est un très beau jeu. Oui, t'envoies des paillettes. Non, mais vraiment, je suis vraiment très contente de ce jeu. Je trouve que c'est... Ouais. Il est hyper abouti. Est-ce que tu veux... Alors, ça, c'est une question que je suis sûre on va avoir. Oui, c'est la grande question. En fait, je vous en montre un qui est fermé, que je vais ouvrir là devant vous. Quand vous ouvrez le jeu, vous avez le livre comme ceci et vous avez la présentation des cartes avec une petite carte, cette fois-ci je peux vraiment le dire, une petite carte qui s'est glissée dedans. Est-ce que tu veux nous parler de cette petite carte? C'était une demande spéciale. Ouais, de moi. Je me suis battue pour avoir la petite carte. En fait, on a 10 cartes d'aide, donc c'est des soutiens. Énergétique ou non, mais qui vont soutenir justement l'équilibre énergétique. Et dans cette 10 cartes d'aide, ben, on a fait des miniatures. Et ces miniatures, en fait, elles sont réparties dans les coffrets au hasard. Et donc, quand vous achetez un coffret, vous n'aurez pas forcément la même carte. Et en fait, c'est un petit message, c'est un petit clin d'œil, c'est une petite surprise, c'est une petite carte juste pour vous. Pour vous indiquer peut-être ce qui peut être un soutien pour vous ou ce que vous pouvez développer. Là-dessus, voilà, encore une fois, l'interprétation, elle est libre, c'est vous qui voyez ce que vous voulez. Mais c'est un clin d'œil, en fait, pour... par exemple, là, on a le tambour dans cette boîte-là. Celui-là, j'ai mis le tambour, ouais. Et dans celui que nous, on a reçu au début, avec Célia, on a toutes les deux eu le pendule. Et en fait, par exemple, le pendule, c'est peut-être de développer sa pratique du pendule, mais ça peut aussi être de se servir de son corps un peu comme un pendule ou de remettre du mouvement dans sa vie, puisque le pendule, il fait des mouvements de va-et-vient. C'est cyclique, c'est vraiment toujours dans le mouvement. Donc, ça peut être ce genre de lecture. Et dans l'autre jeu, on a le tambour. Et donc, le tambour, si on fait une lecture, ça peut être d'inviter le chamanisme ou de partir à la découverte du chamanisme ou de s'acheter un tambour, un basique des fois. Donc voilà, donc en gros, si vous regardez, la taille des cartes n'est pas la même que les autres. On n'a pas le même autres. Dos. Ouais. Aussi, pour bien la différencier, on a choisi de mettre un dos différent pour que vous sachiez directement quelle est la petite carte. Voilà, et en gros, c'est la petite surprise, c'est le petit cadeau, et du coup, c'est la petite carte que vous pouvez vous afficher dans votre bureau ou devant vous. Et mettre dans un portefeuille. Ouais, voilà. Oui, moi, j'aime bien, parce que tu peux l'emmener. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien la mettre dans mon hôtel avec mes pierres ou tout ça. Ou quand je fais un hôtel dans les retraites ou dans les événements, c'est de venir la mettre
au milieu de l'hôtel. Donc voilà, en gros, il y aura une petite carte surprise. Ça, c'est le coffret. C'est qu'on a la boîte, on a le livret qui est en fait un livre. Ouais, clairement. J'ai vu la taille. Il fait combien? 245 pages? 248, je crois, avec les petites feuilles qui servent à rien, là. Donc c'est, 245 pages. Et donc, du coup, on a une boîte quand même qui est assez mouse costaud. Et on a gardé notre système qu'on aime beaucoup. J'aime bien, moi, ce système. La boîte aimantée. On s'est battu pour garder la boîte aimantée. Sachez-le, parce qu'il voulait, vu que le coffret est gros, il voulait nous mettre la boîte à clapet. Mais moi, j'aime pas parce qu'après, on perd. Je trouve que c'est pratique, ça. Puis je trouve que ça fait quali. Moi, personnellement, je préfère ce genre de petite boîte. Après, j'aime bien aussi les cloches. Mais les cloches, il faut que ça ferme bien. Ouais, sinon, tu es obligé de secouer pour que ça s'ouvre et ouais, tout ça. Ouais, ça dépend, sinon il faut une petite encoche et tout. Enfin bon, voilà. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce... Ouais, moi je me suis battue pour avoir ma petite boîte aimantée, ça me tenait à cœur. Et on a des jolies tranches dorées. On a de la tranche à la couleur de l'énergie, qui est aussi en lien avec la dorure qui est sur la boîte. Du coup, dans le livret, on va retrouver des tirages. Ouais. Et vous allez vite vous rendre compte qu'il y a une structure en plus dans le jeu. C'est vraiment un jeu que tu as vachement structuré. Par exemple, je vais vous montrer les cartes. Alors, il faut la première. Merci. Et vous allez voir, on a tous les corps au début. Donc du corps physique avec ces 6 corps subtils qui sont aussi reliés à des chakras. On le voit quand Célia, elle passe. Là, on est sur le troisième œil. Et là, on est sur le coronal. C'est-à-dire que les corps sont reliés à chaque chakra. Ensuite, on a du coup la structure énergétique, le taux de vibration, l'alignement. Et là, on a par exemple la structure avec les chakras, justement. Donc, on a chacun des chakras, racine, sacré, plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil et le coronal. C'est vrai qu'on ne s'est pas présenté au début. Je suis partie du principe que tout le monde te connaissait. Mais Charlotte, elle travaille aussi dans le chamanisme, donc dans l'énergétique et dans le chamanisme. Et c'est pour ça que dans ce jeu-là aussi, vous allez retrouver, par exemple, des thèmes qui sont assez liés au chamanisme, avec par exemple les trois mondes qu'on explore dans notre vie, donc le monde du haut, le monde... Dis-moi si je dis des bêtises. Non, vas-y, c'est bien là. Le monde bien. Du haut, le monde du milieu et le monde du bas. Donc ça fait partie aussi de la structure, donc vous voyez, c'est vachement structuré. Hein. Moi, j'adore ça. J'aime quand c'est structuré. Après, si on reste dans la structure judéo-chrétienne, c'est le paradis, l'enfer et la terre, hein, tout simplement. Ouais, mais l'enfer, il n'est pas vu de la même manière. Tu vois, j'ai toujours un peu peur que ce soit connoté, le monde du bas, par rapport à ça. Oui, après, le monde du bas, ça va être le monde... Des profondeurs. Des profondeurs. C'est noir, c'est lent. Ouais, mais t'as aussi le... C'est tous les animaux c'est qui viennent de ça. T'as les racines, donc le terreau familial aussi, tout un tas de choses. Donc... C'est ça positif comme négatif ouais, aussi, mais il y a du positif ouais, voilà. dedans. Ça peut être vu un peu comme l'enfer. Après, l'enfer, pour moi, je ne vois pas négativement, mais c'est ouais, vrai mais que... En judéo-chrétien, c'est hyper... Oui, tu sais, t'as les 7 cercles de l'enfer et tout. Vrai, voilà. 7, je ne sais plus. Vous avez les boussoles aussi. Ça, c'est mes pratiques. Ouais. Vraiment, comment tu les utilises, toi? En fait, moi, je pars du principe que le corps nous guide, nous accompagne. Et pour ça, on a trois boussoles. Et en fait, quand on prend des décisions qui ne sont pas alignées avec une des boussoles, du coup, on n'est pas aligné. Et donc, souvent, ça foire. Donc, il y a la boussole du corps, c'est l'instinct. C'est ce qui nous permet d'être en lien avec notre corps, avec la matière. Et celle-là, elle est reliée au monde d'en bas. Ensuite, on a la boussole de l'intuition, de l'esprit. La boussole de l'esprit qui est l'intuition, justement. Et donc celle-là, elle nous relie au monde d'en haut, à notre âme, au fait de prendre des décisions pour le futur, pour l'avenir, de voir un peu, de sentir si c'est le bon endroit. Et après, on a la boussole du cœur qui est hyper importante, puisque c'est de faire les choses avec joie ou de faire les choses parce que ça nous met en joie. Et souvent, on fait des choix de tête, mais pas des choix d'intuition, on fait des choix mental, logique, et on oublie un peu le cœur et la joie, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est le petit topo sur les boussoles. On a les carnets de circulation. Donc ça, ouais, c'est la circulation énergétique, c'est important. L'énergétique est souvent oubliée. Bah ouais. C'est souvent, on ouvre le chakra, mais derrière, il faut que ça circule, sinon ça reste bouché.
l'eau devient verte. On a Laura, bien sûr. Ça, ouais. Je crois que tout le monde connaît un petit peu Laura. Ouais. Alors, on a un travail aussi, toujours dans cette idée de structurer un petit peu. On a le corps physique, l'ancrage, pardon. Ouais. On a l'ancrage, on a le mental. Et comme j'ai mélangé toutes les cartes... Non, c'est bon, tu y es toujours. Et on a l'éveil spirituel. Ouais, ça, c'est tous les chakras. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est le mental, l'éveil spirituel, ça va ensemble parce que ça passe par le même canal. Et souvent, le mental, ben, il bloque un peu l'intuition, l'ouverture, etc. Et l'ancrage permet justement d'aller ouvrir tout ça. Et ensuite, on a les mots. Ouais. Les mots M-A-U-X, les bobos, quoi. Ça, c'est hyper intéressant aussi parce que du coup, ça, on n'est pas dans un jeu qui est 100% positif. On va vraiment essayer de chercher, de creuser là où justement on peut avoir des difficultés. Tant sur le plan énergétique que sur le plan aussi physique, par exemple avec les mots du corps. On a aussi les mots du cœur. Donc tout ce qui est émotionnel. Ouais. Les mots de l'esprit. Donc ce qui est mental. Et les mots de l'âme. Et donc là, on va travailler plus sur les valeurs spirituelles ou les thématiques du style les liens karmiques, enfin le karma, la magie noire. Ouais, est-ce qu'on va hériter aussi C'est ça. Et alors, ce que tu nous as fait après, on a des petites cartes. Alors, j'essaie de les mettre dans l'ordre. Je suis désolée, je les ai mélangées en fait. Tiens, ça c'est les Z, hop. Ouais, tiens. Elles sont là, et là t'as les autres thèmes. Et là t'es dans l'ordre. J'avais oublié de le remettre dans l'ordre. Ah ouais? Non, il est dans l'ordre. Il est dans l'ordre. Je sais pas, j'avais mélangé celle-là entre-temps. Alors. Donc ça, c'est toujours un thème énergétique. Donc là, on est dans la protection énergétique parce que c'est quand même une question qu'on pose souvent. Comment est-ce que je me protège énergétiquement? Et des fois, en fait, c'est ça qui rate. Et donc cette carte, elle permet de le dire justement quand ça rate, quand ça foire, quand c'est vraiment un problème de protection. Parce que souvent on dit « Ah oui, je ne me suis pas protégée » et tout ça, et en fait c'est autre chose qui bloque. Mais avec cette carte, au moins, si elle tombe, on sait que c'est la protection énergétique qui n'est pas bonne. On a les mémoires aussi. Tout ce qui va être mémoire transgénérationnelle, mémoire karmique aussi. C'est ça. Faire la différence entre ce qui vient de la famille et ce qui vient de l'âme, en fait, ce avec quoi on chemine depuis des années, ouais. Des millénaires. On a, ben justement, on a les liens karmiques. Alors, comment tu vas nous dire, pour toi, qu'est-ce que c'est les vœux karmiques? On a les liens karmiques et les vœux karmiques. Alors, les liens karmiques, ça vient des attaches énergétiques. Donc, par exemple, avec ces liens, on pourrait avoir une attache énergétique créative. C'est-à-dire, par exemple, nos deux mains droites. T'es droitière? Ouais. Nos deux mains droites pourraient être attachées parce qu'on a créé ensemble. Et donc, on a cette attache énergétique de ce lien de création ensemble. Et mettons, on voyage, donc on finit cette incarnation-là et on se retrouve dans une autre incarnation. Et donc, du coup, l'attache énergétique devient un lien karmique. Ou si on prend un exemple plus simple, par exemple, toi et ta fille, vous pouvez avoir une attache énergétique de cœur. C'est-à-dire que vous vous aimez, tout ça, machin, etc. Mmh. Si à un moment donné, vous vous déchirez ou toi, tu es injuste envers elle ou elle fait quelque chose qui te blesse, ben, cette attache énergétique, elle devient négative ou elle, en tout cas, elle se connote négativement et donc elle va rester. Et donc, dans une autre vie, vous vous re-rencontrez. Et ça devient un lien karmique, c'est-à-dire que c'est une attache énergétique qui s'est créée dans une autre vie et qui aujourd'hui vous attache et va teinter la relation que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des choses d'avant qui se revivent à un niveau inconscient, au niveau spirituel, au niveau de l'âme, et qui vient un peu entraver la relation. Okay. Donc les liens karmiques ne sont pas toujours positifs, surtout quand ils viennent s'activer à la rencontre de situations, de personnes dans une vie, et donc forcément des fois ça crée des tensions. Ouais, c'est super intéressant. Et les vœux karmiques, ben, c'est les vœux que l'on fait dans nos vies antérieures. Donc, par exemple, on peut faire un vœu de souffrance, un vœu d'obéissance, un vœu de pauvreté. Donc ça, c'est les gens qui rencontrent tout le temps des problèmes financiers. Il y a toujours des soucis. Ils gagnent de l'argent et puis pouf, il y a tout qui disparaît. Sont toujours dans des... Voilà, c'est des gens qui peuvent avoir fait des vœux de pauvreté avant. Ou il y a des vœux de chasteté. Ça, c'est le grand classique de l'église. Ouais. On fait vœux de chasteté. Donc du coup, dans la vie d'après, ben, on a plein de problèmes de libido parce que justement, il faut venir désactiver ce vœu-là. D'accord. Problème de libido, problème relationnel, problème sexuel, tout ça, quoi.
Mais les vœux karmiques. Heureusement, tout ça, ça se fait. Oui, ça se fait. C'est pas quelque chose, une fois que justement le principe de l'identifier, c'est de pouvoir aussi briser, travailler dessus et casser ce mécanisme qui date, qu'on hérite. C'est ça. Et en fait, dans le livre, quand vous ne savez pas ce que c'est justement, par exemple, les vœux karmiques ou comment les casser, dans le petit livret, il y a les soins recommandés pour briser les vœux karmiques. Et ça nous explique bien ce que ça fait les vœux karmiques quand c'est en équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vœux karmiques qui sont activés, ou quand c'est en déséquilibre. Et derrière, ça nous dit comment les nettoyer, les désactiver. Donc ça, c'est chouette. Après, on a la carte du... Bon, alors ça, tout le monde connaît, je pense, le vampirisme énergétique. Oui. c'est quand même très, très connu. On a les entités aussi pour pouvoir travailler dessus. Le grand basique. Ouais. Et donc, voilà, c'est ça aussi, les entités. Le fait qu'il y ait une carte qui soit dédiée à ça, je sais que souvent, en énergétique, quand on s'ouvre spirituellement ou quand on découvre tout ça, on a tendance à dire « Ah oui, mais moi, je suis pas bien protégée » ou « C'est parce qu'il y a des entités chez moi ». Enfin, c'est facile, en fait, en énergétique, de rejeter la faute sur... de l'extérieur, et en fait avec ce jeu on peut vraiment aller voir si oui c'est ça ou si non c'est autre chose qui nous appartient. Ouais on a les formes pensées, j'aime bien cette carte. Oui, les formes pensées qui agissent comme de la magie noire. Pareil, encore une fois, souvent on dit ah oui on m'a jeté un sort et tout ça, non, en fait souvent c'est que juste la voisine elle est médisante et du coup ça vient se coller à nous. Ouais, justement on a la magie noire aussi qui est là. Oui. Et tu sais quoi, j'ai bien aimé que cette carte, elle soit à la dernière position. L'énergie du lieu, comme quelque chose qui s'ouvre justement maintenant que tu as parcouru tout ce qui tourne autour de toi. Maintenant, c'est comme si tu avais une ouverture et une porte qui s'ouvrait. Et puis, tu peux aussi travailler à l'extérieur. Maintenant que tu as fait ce travail sur toi, tu peux le travailler à l'extérieur maintenant avec l'énergie du lieu, l'endroit où tu habites. Mais ça peut être la commune, tu vois, ça peut être le pays, ça peut être, tu vois, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Les personnes qui vivent autour de toi aussi. Je sais pas, poétique. Je trouvais que poétiquement, c'était joli qu'elle se termine, qu'elle soit là comme c'est ça. C'est parfait, j'avoue, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est bien résumé. Et après, on a les cartes d'aide. On a des cartes de soutien qui permettent Tu veux que je les tienne? Ouais, je te laisse. On a des petites cartes, regardez, elles ont un petit cœur ici comparé aux autres soleil. Qui ont des étoiles. Ici, je suis désolée, j'ai fait de la peinture, donc j'ai le doigt tout noir. Je ne l'ai pas tapé. Donc là, on a des petits cœurs parce que ce sont les cartes de soutien, d'aide. Ouais, de soutien, ouais. D'aide. Donc c'est ce qui permet en gros de soutenir le travail qui est fait ou l'équilibre énergétique. Donc on a le soin énergétique, ça c'est la méditation, la fumigation, le pendule, les cristaux, les anges et les déités. Les guides spirituels. Ah oui. Les guides spirituels, c'est vrai. Je l'aime. D'abord, oui, celle-là. Oui, moi aussi. L'animal totem. L'esprit de l'animal totem, en plus, c'est tout à fait... Le tambour chamanique, la sonothérapie. Ouais. Et voilà. Voilà, ça permet de vraiment tout voir, tout travailler. C'est ça, et d'avoir des outils différents que juste un soin énergétique. De se dire, ok, peut-être que ce qu'il me faut, c'est pas un soin énergétique, mais c'est juste de fumiguer ma maison, mon cœur, ou ce genre de choses. Donc, ça peut... Oui, d'ailleurs, tu peux diviser le jeu en deux, avec toutes les cartes qu'on a vues précédemment, et mettre de côté les cartes d'aide, voir un petit peu où sont les déséquilibres avec le premier lot de cartes, les premières cartes, et puis piocher justement une carte, soit pour chaque problématique, soit de façon globale, et puis utiliser justement l'outil qui est proposé ici pour rééquilibrer ou travailler sur l'énergie qui est ressortie avec l'autre, le premier paquet de cartes. C'est ça. Et pareil pour celles qui veulent savoir quels sont leurs chakras ouverts et fermés, vous pouvez prendre que les chakras qui se sont baladés là. Et en fait, définir deux maisons. La maison 1, où ça va être ouvert, où les chakras sont ouverts, et la maison 2, où c'est fermé. Et donc là, j'ai mes 7 chakras. Et donc, ce que je peux faire, c'est que je les mélange. Et je vais prendre une carte après l'autre et aller sentir, est-ce que ça va dans la maison 1, qui est ouverte,
ou est-ce que ça va dans la maison 2 qui est fermée. Et donc du coup, je peux définir comme ça, carte par carte, si c'est ouvert ou fermé. Et après, eh ben, je vais aller regarder, ah bah tiens, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé. Ah ok, bon bah du coup, j'ai le chakra du plexus solaire qui est ouvert, j'ai le chakra de la couronne qui est ouvert, mais le sacré, il est fermé. Ah bah tiens, un petit problème de libido, est-ce que j'ai pas fait un vœu de chasteté? Allons regarder, tout ça, tout ça. Ouais, c'est donc du coup, détricote. C'est ça, une fois que je sais quel chakra est fermé, donc là par exemple, on a choisi le chakra sacré qui est fermé, je peux aller battre les cartes et me dire, ok, pourquoi est-ce que mon chakra il est fermé? Qu'est-ce qui fait qu'il s'est fermé? Et donc les autres cartes pour venir répondre à cette question-là. Ouais. Il y a plein de façons d'utiliser. C'est ça. C'est super intéressant. D'ailleurs, on vous a mis pas mal de petits tirages pour aller faire un bilan énergétique, pour aller regarder justement les chakras ouverts et fermés, pour aller regarder qu'est-ce qui est prioritaire, quels sont les thèmes à travailler en priorité, qu'est-ce qui est déséquilibré ou qu'est-ce qui est équilibré. Et on vous a même fait un tirage en 3 cartes spécial pour ce jeu-là. Où justement on a le terme énergétique travaillé qui est déjà acquis, donc dans le passé, le challenge énergétique actuel et le thème énergétique qui sera à travailler prochainement. Donc un espèce de passé, présent, futur, mais en énergétique. Donc voilà pour ce jeu, ces tirages, tout ça. Super, merci. Avec plaisir, merci à toi. Et merci d'être venue dans mon atelier pour faire cette présentation, c'était vraiment super chouette. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre juste en dessous en barre d'infos et puis on y répondra. Ouais. On sera vraiment très content d'y répondre. Je vous mets le lien des jeux juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez les trouver facilement. Moi, je vais en mettre quelques-uns sur mon site que je dédicacerai. C'est la première fois que je fais ça. J'ai jamais fait ça. Trop bien. Donc, je vais faire ça. Et toi, tu en as aussi quelques-uns sur ton site ou non, toi c'est en retraite. Ouais, moi je les vends que pendant mes retraites. Ouais. Après, j'ai personne pour faire mes colis. c'est quoi ta prochaine retraite du coup? La prochaine retraite, elle est au Mexique. Ah oui, carrément. C'est en février au Mexique. Et sinon, bientôt, on va annoncer le festival que j'organise pour les 10 ans de mon entreprise. Sérieux? Génial. Ouais, donc ce sera un festival chamanique. Avec quatre non, vers Montpellier. D'accord. Avec 4 intervenantes et 2 guests extérieurs pour les soirées. Donc on aura un concert et un exotic dance, ça va être génial. Et j'adore. Voilà. Donc il y aura les infos bientôt et on ouvre les inscriptions début décembre. Donc on pourra mettre le lien aussi en dessous si vous voulez. Super. Voilà. Génial. Ouais. Ah, il me tarde de savoir tout ça. Oui. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce moment avec toi et merci de nous avoir regardés. On vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. Merci, salut. À bientôt.